Hello tout le monde, c'est Silent et nous retrouvons sur Binding of Isaac Afterbirth. New run! La dernière fois nous avons tenté la run avec Miss Magdalene. Ce n'était pas très worth it, voyez-vous. On va essayer de jouer un autre pécho, le pécho du cancer. Lazarus. Bon ça va, Lazarus c'est pas non plus la fin du monde, bon c'est pas terrible, allez hop. Go, go, go. Go, go. I can see forever. Yeah, 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 my name is Lazarus. Ah, il est vraiment pas de bol, le mec, il est rouquin, quoi, je veux dire. C'est chaud, quoi. Il a pas d'âme, quoi. Putain, donnez-moi ce viol de mouche. Viol de mouche. Viol de mouche. Viens ici, que je te prends avec mes potes mouches. Viol de mouche. Viol de mouche. Pardon. Fallait que ça sorte, hein. C'est... Voilà, c'était au plus profond de moi. Fallait que ça sorte, hein. C'est nécessaire. C'était écrit. Donc on a un étage XL. C'est pas forcément la joie suprême, mais... pas non plus la tristesse. Allez hop, toi t'es morte. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Mangeur de mouche, mangeur de mouche, mangeur de mouche. Nanana. Ouais, ouais, il faudrait que je me mette à composer des musiques, je crois. Là, là, j'ai quelque chose, je tiens quelque chose, les amis. Là, on va se faire un sac à pognon, mais interminable. Non, 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 non. Ah. Oh. Are you cancer, ouais, connard. Oh putain. Ah. Ah mais ça me refile. Oh là 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 là. Money. Oh putain, merci. Non, 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 non. Vite. Ok. Donc les salles dorées, elles doivent être toutes de l'autre côté. C'est tellement cool. Tellement cool. Oh là là, il y a plein de flammes. Voilà, les deux salles dorées à la suite. Ça, c'est pas dégueulasse. C'est plutôt pas mal comme premier item. Ça va. Oh, c'est un peu de la merde. Ça va. C'est un peu de la merde quand même. Typiquement le genre d'étage où vous jouez les livres, vous êtes déjà refait quoi. 3 familiers, merci, ça fait 6 familiers dès le premier étage. C'est pas mal. Alors la petite bombe, on va la claquer là bien sûr pour ouvrir le passage à ce petit coffre, voyez-vous, qui nous lâche 3 pièces supplémentaires. On est vachement content, t'as vu. On va aller ouvrir le marchand. On a 15 pièces, c'est pile ce qu'il faut pour être heureux quand on va chez le marchand. Et nous sommes pas très heureux. Ah oui, ça. J'en suis le plus que ça fait. Pile Mimic. Ah, ça copie les piles. Oh, j'aurais dû garder la première pile du coup. Bon, pas grave. On va simplement se dire... Oh putain de... Oh là 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 là, Pin, ça va là, tu te calmes. J'ai un peu les boules maintenant, vu qu'il est, quand il est slow, il fait n'importe quoi. Waouh, tellement cool, putain, on tape tellement fort dès le premier étage. Là, on est bien. On démarre. Vachement bien. Pouh, la 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 la, le Lazarus qui tape comme une brutasse déjà. Oh, mon dieu, il a combien? 5 là?
5 de damage déjà. Ouais bon voilà, il a one shot le mob. One shot quand il les touche hein, bien sûr. Ouais, 2 shots, allez, ça va. On se fait pas trop chier, t'as vu. Oula, ça va le pipo là. Non mais oh. On va se calmer. Voilà. Rue pipo. Allez hop. Oh là 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 là. Allez. Tac 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 tac. Sont pas très méchantes ce chauve-souris grosse là, chauve-souris version américaine. Ah, tu dis américaine parce qu'elles sont grosses. Non. Ah. Ok. Salut. On joue. Allez hop. Oula. Waouh, pour une pièce, putain, ça valait vraiment la peine. Oh là là. Non, on va pas cracher dessus. C'est très très bien. Super, j'ai cassé le caca pile au même moment. Du coup, ben voilà, je me suis pris un coup dans les dents. Voilà, voilà, on est content. Maintenant, Satan, il va pas venir ouvrir ses portes. Voilà, je suis triste. Je rage quitte. Oh, et du coup, l'arène, elle est fermée, quoi. Oh, ça fait chier. Bon, on a un cœur qui est là-bas. Au pire des cas, on va tuer vite lui. Le petit rué pipo, voilà. Rue Pipo. Ouh, mais ça c'est de la thune. Je crois que j'ai fouillé plus souvent la merde hein, parce que putain, vu ce qu'on trouve dedans, ça vaut la peine hein, parfois hein. Pas mal. Lock up. C'est marrant parce que ça dit lock up mais ça ne marche, ça le décrit pas dans les stats par contre le lucky foot. D6 plus D20. What the fuck. Attendez. What? Ça me fait un reroll. Trop cool. Commence pas à invoquer des bêtes, sinon ça va pas le faire, on va pas s'entendre. Alors là on va pas s'entendre du tout hein. Pas dur ce boss, c'est ridicule. Putain, mais c'est quoi? Mais what? C'est quoi cette run là? What the fuck? Vous avez vu les stats? Faut arrêter là! Appelez l'ambulance! Faites quelque chose! Faites quelque chose, les amis! Rue Pipo quoi! Oh là 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 là! C'est quoi cette run de cochon? Putain, mais run de cochon malgache quoi! Comme quoi Lazarus en fait c'est peut-être pas si mauvais que ça hein. Ça a l'air d'être un bon perso hein, quand même, les stats elles sont pas dégueulasses hein. Oui 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 hein. Moi qui ai plus que je chope un truc de porc là-dedans. Là c'est bon hein. J'aurais rage quitte la run hein. C'est trop là. Shielded Tears. Bon bah let's go. Oh mon dieu, en plus ils sont tellement immenses vu que je suis un peu avec masse dégâts et du coup ça me fait des gros shields déjà. Putain. Oh c'est abusé, c'est abusé. Broken shit quoi. Ah voilà. Ça c'est de la run. Mon dieu quoi. Ah c'est même plus du jeu là. C'est même plus du jeu là. Là on joue tout seul. J'ai rien à me faire toucher avec ça quoi. Putain, je suis vraiment triste. Ok, on a besoin d'une clé et d'une pièce. C'est possible. Ah, mélange des deux, ce serait cool. Ah, j'ai une clé. Ah, mais là c'était 2 clés, c'était pas le marchand celui-là. Ah, doucement. Un peu le même move que les chauves-souris qu'on a de base, des moves de merde qui ont aucune logique.
Oh là 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 là, mais t'es sérieux? Oh, mais t'es sérieux? Ok, the Forsaken. Forsaken. Je crois que je l'ai eu une fois. Non, jamais hein. Je l'ai jamais eu sinon. Alors c'est pas spécialement génial, on va essayer de switch. Oh, allez Gimpy aussi, pff, rien à foutre, c'est bon là. On se met bien là, t'as vu, allez. The damage is very good, you see that, hein. Really really good damage. Bon. C'est un peu de la merde, j'ai pas envie d'avoir plus de bombes, j'ai clairement aucune envie de ça, du coup on bat les couilles, on se casse. Hop, étage suivant. Et du coup ce petit trinket que j'ai eu là, dans ce petit utilisable là une fois, putain c'est ouf, hein. Petit D6 comme ça portable, si si, si t'as vu. Ça chie pas des pastèques quoi, surtout pas dans la soupe quoi. Alors on va faire un petit coup de rue et pipo là. Hop hop hop, voilà, ils ont compris. Ils ont compris, ils ont été brain dead. Brain dead. Ça veut pas dire grand chose, mais c'est pas grave. Enfin si, ça veut dire quelque chose, mais là dans ce contexte ça veut pas dire grand chose. Je crois que c'est la meilleure run Lazarus que j'ai eu de ma vie. Je crois hein, pendant ce temps. Parce que là, putain, mais surtout, la sortie explosive des trucs pétés à la suite, quoi. C'est genre, on a même pas eu un item de merde. Genre, allez, tiens, nique ta race, quoi. Tu dois faire du bif, du caramel, quoi. Il y avait pas le temps pour faire autre chose. Oh bah, merci. Merci. Par contre on n'a pas eu de pilule depuis le début à utiliser à nouveau et du coup pouvoir profiter de notre super utilisable, mais ben on peut rien faire. On ne peut rien faire. C'est le coup de rue et pipo. Oula 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 oula. Ouais, bon, bite quoi. Mais what? C'est une salle en forme de clé. Enfin je crois, ça a l'air d'être une clé, là, tac. Avec, hop, le petit premier morceau, le petit... Ouais, ça a l'air d'être... Ok, cool. Mais merci Edmund Macmillan, merci. Là c'est bon, tu m'as donné la best run ever, hein. C'est bon. Hein. Prenez note et faites-le ce seed, hein. C'est bon, voilà. Putain de merde. Ça va, 14 kills, ça fait pas trop chier quoi. Et moi pendant ce temps là, je mettais mes couilles dans le cac, clon, don, 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 don. Hop. Je crois qu'on est déjà... Ouais, 0-2, non? Non, 1, putain. Pas terrible, mais bon, on va le prendre. Hein. Poudre supplémentaire, regardez comment je suis fatigué maintenant. Ça fait quoi ça déjà? It pulls. Ouais, je sais pas si je le veux, je sais pas encore. Petite hésitation quand même là. Hop, salut. Au revoir. On se casse. On se casse. De toute façon, on y passe après quoi. J'aurais dû faire de l'autre côté, parce qu'il y avait peut-être la salle secrète en haut, mais bon, c'est pas grave. Parfois on fait de la merde, il faut accepter quand on fait de la merde. Ok, on va se faire le boss et après on ira voir notre petite salle. Si elle a quelque chose à nous réserver.
Faut dire que j'ai quand même deux familles à la con qui tournent comme des imbéciles en essayant de faire quelque chose de bien, mais au fond ils font que de la merde, mais ils le savent très bien, c'est vrai qu'ils font que de la merde. Le problème c'est qu'ils peuvent rien y faire, ils sont bloqués dans leur connerie et voilà, quand t'es dans ta merde, ben tu le restes toute ta vie quoi. C'est triste. Pas mal, pas mal, pas mal, j'étais presque là-bas, monstre 2. Franchement. Range plus lock-up, ok. Plus de portée, pas très utile. Et lock-up, pas très utile non plus. Ah, bon, on va aller là. Oh non, again. Non. Rien à foutre, allez hop. Ça va être marrant. Ça va me niquer la run, mais... Ça va être marrant. Allez hop, on y croit. Oh là là, ça me fout dans la merde. Dans une de ces merdes, les amis. Dans une de ces merdes, mais vous vous rendez pas compte. Je viens de faire la plus grosse connerie en prenant ça. La plus grosse connerie possible, c'était ça. Et je viens de la faire. Alors, Dark Death, encore une fois. C'est moi, c'est Dank Death. Pas Dark. C'est Dank Death. Depuis début de mes runs, je me trompe. Voilà. Ritardo. Mais voilà. Lèche le mur. Technique ancestrale samouraï, t'as vu? Une clé, on s'en fout. La clé, on s'en bat les couilles encore une fois. Ok, une petite clé. Ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Hop, on a tout tué. Aisé. 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 Ouais, c'est pas très utile tout ça quand même. Hop, death. Ok. On peut acheter la pilule. On peut essayer. Oh. On peut faire une lock-up en permanence. je veux, là c'est bon. Je suis vendu là c'est bon. Lock-up all day quoi. Oh, à quel point c'est bien d'avoir de la chatte de porc. La chatte de porc, la chatte de porc. Bon, pas très utile a priori la chatte de porc quand même. Pour le moment. Ah, on revient en arrière, c'est rigolo, voilà, ah ah ah, hi hi hi, tu me chatouilles l'orteil et je te pisse à la gueule. Purée quoi. Kyogri. Moi qui a plus qu'on chope le Kyogri là. Moi qui a plus que ça. Vraiment quoi. Ok, on a trouvé la salle d'arrêt. Pouvoir se casser de cet étage. Oh, c'est quoi ça? Ça a l'air cool. Swan Friend. D'accord, il pleure, il se déplace plus ou moins comme moi, il vole. C'est tout. Il vole, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a de spécial dans ce petit personnage. Ça a l'air pas mal quand même. Mais c'est un peu triste. Je le voyais un peu plus utile le bestiau. Pas grave. Pas grave. Ah mais c'est à mourir de rire en fait ce genre de choses. C'est juste à mourir de rire. C'est la blague du siècle limite. J'ai pas une perte des points de vie bêtement pour ça. Quand j'ai envie d'augmenter ma luck à fond du coup. On va continuer un peu l'étage. Juste pour augmenter la luck comme un triso. Voir à quel point on peut péter le jeu une fois qu'on a la lock à fond. Voir si ça influe autant que ça ou pas. Parce que j'ai jamais eu la lock très haute dans le jeu perso. Ah là déjà 4 c'est assez immense je trouve. Bon. Plutôt pas mal. Ok. Lock.
enfin les voix elles reviennent. Je sais pas, des fois elles disparaissent, des fois elles reviennent, c'est chelou ce truc de voix. Moi j'aime bien perso, mais je sais pas pourquoi des fois elles viennent pas, des fois elles parlent, des fois elles parlent pas, voilà, simplement c'est un petit peu bizarre tout ça, mais c'est pas grave. Bon, c'est un peu stupide là, tu meurs. Godmi chasseur patte quoi. Allez hop, on va se casser de là, on a tout fini, il reste plus qu'une salle, on s'en fout de la salle, parce que nous on est un bonhomme, bonhomme, un, t'as vu, un, bonhomme, un, t'as vu. Ok. Hop, 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 et c'est... Isaac! C'est marrant, il y a les familles qui sont encore de nouveau en train de se superposer là-bas. C'est marrant, je gagne des sous-alertes de temps en temps en prenant des coups. Je sais quoi ce bordel. Bon, j'ai envie qu'elle sorte sa main là. J'ai l'impression qu'elle veut plus jamais la sortir quand elle se met à côté. Elle veut plus sortir sa main, c'est incroyable. C'est pas grave, on l'a massacré. Ok, on a pas beaucoup de temps. On prend ça. On va vite là. Oh mon dieu. Bordel, justice. C'est bon, il a rien loot. Ah si, il a le loot là qu'on possède. Il a pas la lock encore à fond. Du coup, on prend rien. Ah putain, ils sont dans les coins. Y'a rien de spécial hein. Ah mais c'est le Gimpy qui me fait loot hein. Y'a rien de vraiment ouf quoi. Ça juste pour nerf les dégâts. Oups. Ok, j'ai pris un dégât et du coup j'ai glissé et j'ai pas réussi à lancer. Ah non mais t'es sérieux mon con. Oh là 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 là. La glissade de la mort. Oh, j'ai esquivé. Ça y est, je suis mort. On a quasi la lock à fond. On va avoir des objets de fou là. Waouh putain. Ça a l'air vraiment dingue. Genre la pile de l'infini ça non. Peut-être que c'est une bonne pilule, on va la garder de côté je pense. En fait on va simplement consommer la dernière lock parce qu'on a plus rien à faire. Petite pilule. Ah y'a Wizard. Oui. C'est très gentil mais bon, c'est pas vraiment sauvé. Je sais pas si c'est de la lock d'avoir 4 monstros. Franchement, je pense pas que ce soit de la lock. J'ai des gros doutes sur la lock là, là j'ai des gros doutes. Lock égale difficulté c'est ça en fait. Ouais hein. J'en ai bien l'impression hein. Putain mais j'ai tellement merdé sur ce... Genre j'ai pris un dégât et du coup j'ai paniqué et vraiment je... Mais le pire c'est que j'étais obligé de prendre le dégât donc je sais même pas pourquoi j'ai paniqué. C'est genre... Oh mais tellement fatigant ce mot. Ok. Ok. Tac, il en reste encore deux. Là, on avait la blinde. Alors un petit coffre. Bon ça commence bien, un petit coffre. Deuxième coffre. Oh je l'ai pas vu, je l'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il préparait ça. Fagotte.
Non, mais je voudrais la prendre, la pilule Aria Wizard. C'est trop fort, non? Non, c'est pas fort. Bon, bah tant pis. Pourtant, c'est une de mes pilules favorites. Je crois que j'ai fait une grosse connerie. Je crois que j'ai fait une grosse connerie. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être un coffre à chaque pièce, du coup, avec le 100% de luck. Et peut-être un loot par caca aussi. C'est bon à savoir, ce genre de choses. D'accord, faut qu'il y ait un croix à l'autre. Ok. Donc on dirait qu'on a 100% de chance de loot un coffre par salle maintenant. Ça a l'air d'être ça. Pas valider la théorie trop rapidement. Oh mais le caca qui est réapparu, mais sérieusement, 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 tellement fatigant. Oh là là. J'ai pas de mourir sur cette run quand même, j'ai pas envie de ça. Je suis Lazal invincible là. Dégage de ma vie quoi. Ok, c'est un coffre forcé par salle, hein. C'est vraiment obligé quoi. Coucou, tu veux voir ma bite? Je te la montre. Voilà. C'est bien qu'il y a un truc qui clochait. Allez à gauche, on mise à gauche. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air d'être la bonne. Si ça continue, en général c'est que c'est bon signe. Ouais, en haut je dirais. Calculé à l'avance hein. Vraiment c'était fait pour hein. Alors conquest, ok, pas forcément le truc le plus dur mais pas forcément le truc le plus cool au monde à affronter, mais le cheval ça pourrait être cool pour les étages suivants je pense, ça pourrait être pas mal, pas forcément le meilleur loot mais loin d'être le pire en tout cas, ça je peux vous le confirmer. Voler ça peut être utile pour la suite hein, clairement. Par contre par pacte avec Satan ça peut être aussi un grand swing dans les dents. Ça c'est pas très cool. Je laisse le truc à pilule parce que le temps on va, enfin le moment on va retrouver une bonne pilule, c'est pas aujourd'hui quoi. Luck up. Ah bah oui, bah maintenant on va avoir des luck up dans tous les sens, c'est ça. C'est ça la blague. Non, même pas en fait. Seul secret avec un sac de bombes, mais ça a l'air très intéressant tout ça. Merci monsieur. Au revoir. Ok, on va prendre le petit raccourci. Ça va laisser te couper au pire. Oh putain, mais du coup, oh, ça va être insane. Il y aura des coffres à chaque salle dans The Dark. Oh bon, The Dark, on va la clean. Hein. On va la clean. Surtout que maintenant, on loot des objets aussi dans les coffres à The Dark. Donc ça, c'est pas mal. Fuck cette merde. Et j'aime. Voilà claqué. Ça fera perdre moins de temps à cet étage. Ok. Donc par là. Putain. C'est horrible la pression que ça met ce machin. Le récupérer on sait jamais. Okay.
Ah, on a pas eu de coffre. Putain. C'est chaud, c'est la première fois, non? Depuis que j'ai le lock à fond, je crois que c'est la première fois que j'ai pas eu de coffre là. Allez, sors de ton trou, sac à merde. J'aurais peut-être dû garder Vision pour Dark car ça m'aurait donné le positionnement des salles secrètes. Bon, on fera 100 quoi. Il y a Hoche peut-être là. C'est trop bien qu'on affronte Hoche. Je veux Hoche s'il vous plaît, donnez-moi Hoche. On va vite aller faire cette salle secrète. C'est peut-être à 30 minutes hein, du coup on a peu de temps. Rust Key ça augmente les chances de coffre. Regardez notre famille. On a déjà trop de luck je crois. On a quand même pas des dégâts de fou au final hein. Mais c'est pas mal. C'est loin d'être dégueulasse mais c'est pas mal. Mais c'est loin d'être fou. Moi c'est pas mal. Moi c'est loin d'être fou. Moi je suis pas mal. Oh sérieusement. Tellement fatigant. Tellement fatigant de m'invoquer ça. On a peu de temps. On va y arriver. On l'a tué, on l'a tué, on l'a tué, on l'a tué. On ignore les autres bastards. Ah, c'est que des fils de Locke. Qu'est-ce qu'on disait? On a Hush. Hush, Hush, Hush. Hey, hey, hey. Je suis désolé. Ça me fait trop penser à ça à chaque fois, c'est horrible. Putain, c'est ça que ça donne la lock à fond, de la merde pareil. Passage. Ok, au moins si on est dans la merde, on a un passage qu'on peut créer. Et ça, c'est intéressant quand même. Alors on va voir ce qu'on a déjà chez le marchand. Ok, le truc qui me permet d'ouvrir les salles avec des pièces. Trop bien. Tough Hearts, ça va pas être très utile. Ouais, peut-être pour le fight ça va être utile. Ok, on va le garder pour le fight. Et on va aller ouvrir ça. Idiot. Oh putain de merde. Sérieusement quoi. Sérieusement, c'est autorisé? Je peux pas prendre le D4, c'est trop risqué. C'est trop débile. Ça c'est trop de la merde. Je peux pas me permettre de prendre ça. Non, trop débile, ça va juste me foutre en l'air marine. Punch down, bon. C'est pas ouf. C'est pas mauvais. Ça va, on va dire que ça va aller. Ok. On va aller faire Hush avec ça. C'est parti pour Hushune. Alors on n'a pas un build autant cassé que les dernières fois qu'on a tué Hush hein, pendant ce temps. Bon au moins les shielded tears c'est complètement cassé hein, quand on n'a plus besoin de réfléchir quoi. Dommage le petit range down là, ça fait une portée quand même de quiche Lorraine des familles, c'est assez dégueulasse pour ça. Alors au moins en fait on voit toutes les phases du boss qui est avant Hush maintenant. Et c'est plutôt chaud quand même, là j'ai les shielded tears, je peux jouer de manière retard mais sans putain. Ça a l'air d'être un peu le cancer. Hein. Surtout qu'il a deux mouches en fait qui le protègent autour, donc ça aide pas des masses quoi. C'est-à-dire que les shields de tir ça me nerf mes dégâts au final parce que ben ça empêche de le toucher. Ah.
T'as le petit bébé point d'interrogation tellement random qui arrive là, genre coucou. Mais les familles elles sont complètement buggées, hein. Si vous avez pu le voir là, il est gris alors que normalement il est censé être bleu je crois. C'est un peu short quoi. Ah ok, on a acheté pareil. Bon comme je l'ai dit, on n'a pas des dégâts de port, mais les shields de tir ça nous permettra de tenir assez longtemps pour le tuer je pense. Hein. Ça va juste être long et stupide mais bon, avec. On va essayer de pas se faire toucher si possible, si on y arrive. Ça pourrait être cool là, voir si un offet. Je sais pas du tout si un offet, vu que je me spoil pas comme j'ai dit sur les wikis à l'avance qu'il y a. Du coup, je sais pas du tout. Ok, on lui a enlevé quoi, un quart même pas. C'est un peu long. Ok, c'est bouche de merde là. C'est de se faire un petit chemin des familles pour s'escape de là-dedans. Hop. Le petit chemin des familles, il te protège. C'est long, hein. C'est long. C'est pas la même run que les dernières fois. Ah non, 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 ah non, mon neveu, là c'est pas du tout la même run, hein. Putain. Là c'est. Là on est dans tout Fast and Furious, les amis. Là ça ne rigole plus, hein. Alors, hop. Tac, juste. Voilà. Me remettre bien. Gratter un peu le nez. Ah, il faut, hein, des fois, il faut faire des petites pauses pour se gratter le nez. C'est très important. Grattage de nez, c'est quelque chose, hein. Dans le milieu gaming, le grattage de nez, je pense, c'est un des trucs les plus classiques. Ah, bite! Tiens! Ma vengeance sera terrible! Bouffe mes bombes! Mais tellement cher déjà. Juste ramasser. Hop, voilà ça aussi. Pas l'autre parce que ça va me rendre. Enfin, ça va me faire l'effet de la death. Oh là 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 là, non 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 non. Hop, on a trouvé la safe spot. Donc il y a forcément un safe spot a priori. Faut juste le trouver. Ou alors avoir des shielded tears. Au choix, soit l'un soit l'autre en gros quoi. Chier. Comme j'ai dit, ça va être long mais on est censé pouvoir le faire normalement. Les shielded tears nous protègent assez. Puis si je joue pas trop comme un imbécile, ça devrait passer comme dans maman. Ou comme dans papa. Ça c'est vous qui voyez. Hein. Allez, hop. On nettoie ces conneries. Voilà, les mouchons décalent. Voilà. C'est l'arme qui gêne là. Hop 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 hop. Attention attention attention. Là c'est le cancer. Là c'est le cancer. Là c'est le cancer. Hosh il est pas content. Hop, faut sortir la carte Justin Bieber. Hop, Usher. Allez. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu.
tue, on va détruire ces machins là. Oh mon dieu, mais c'est fatigant, il y en a trop. Oh là 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 là. Stop ! Stop ! Stop, ancré ! Oh mon dieu. J'ai plus le temps de taper le boss. Il est en train d'en invoquer des milliards. Arrête ça! Putain, mais c'est que le pire, c'est qu'ils sont vachement solides, quoi, ces machins. Non, mais sérieux, stop! Hoche! Va niquer ta race! Oh mon dieu, je suis tellement dans la merde. Je sais pas si ça va passer, hein. Je sais pas maintenant. Là j'ai des doutes, hein. Je vais faire ça avant qu'on oublie. Parce que là, on avait déjà perdu un cœur. J'arrive plus à m'en approcher, hein, pour casser les trucs, hein. C'est vrai, comment ça que ça merde. Oh mon dieu, mais c'est un cancer! Je suis foutu, les amis. Je suis foutu. Foutu over 9000, quoi. Faudrait qu'on passe dans la phase finale où il crache ses lasers de merde là. Oh mon dieu, c'est pas vraiment des lasers ces trucs. Dégagez les mouches! Putain! Ouais, mais bon, on est plus en Lazarus, quoi, ça marche plus là. Oh là 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 là. Oh mon dieu, ce que c'est chaud! Putain! Mais limite, les Shielded Tears, il en faut pas! On le touche jamais, du coup! On le touche jamais! Vu qu'il y a tout qui est stoppé en permanence! Oh god, j'ai le cancer! Oh mon dieu! Hush, tu m'as vaincu! Tu m'as vaincu! C'est pas mal! Bref! J'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao tout le monde.